grognon de Brazza venant du nord admira cet obstacle infranchissable, les rapides du Congo. Lorsqu'il arriva, Savonien de Brazza ne trouva en ce pays que les patékés. C'est en rendant visite à leur roi qu'il fut présenté à une belle jeune femme, seconde épouse du monarque. Il lui offrit son sabre, sans se douter qu'elle deviendrait un jour la grande reine Ngalifuru, dernier témoin de son épopée, chef obéi et vénéré des patékés. Mais le 20 avril 1956, une terrible nouvelle a secoué Brazzaville. Maman Ngalifuru n'est plus. De Ngapé, résidence royale, et à travers le plateau Pateké, ce ne furent de village en village que lamentations et chants de cornes de bugle. Le 3 mars 1957, presque un an après sa mort, fut la date retenue pour l'inhumation de la reine. Nous sommes samedi, veille de ce jour. Les délégations de village commencent à arriver. Le dimanche matin, à l'improviste, le catafalque est sorti de son abri pour être porté devant la résidence royale. La dépouille de la reine a été placée dans un gros cylindre d'herbe séchée qui est maintenant attaché sur un brancard et habillé avec les pagnes de la descente.
cylindre d'herbe est dépouillé de son armature et de sa décoration pour être mis en terre. Yeah.